Est-ce que vous savez au moins pourquoi est-ce qu'il y a eu la vidéo-verbalisation? Mais bien sûr. C'était quoi, madame? Vous ne le savez pas vous-même. Peut-être. Mais c'est pour la sécurité routière. La sécurité routière. Mais pourquoi alors, Diandre, vous vous plaignez du fait qu'on arrête des gens? Pourtant, le fait que leur voiture soit mise en fourrière, c'est inscrit dans la loi. Vous m'avez vu me plaindre avec quel détail? Non, pas. Soyez précis. Parce que vous parliez justement des gens qu'on arrête en cours de route, qui voyagent, qui ont été arrêtés. Leur mais c'est tout à fait normal. Donc, je vous demande parce que la vidéo-verbalisation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout à fait le même problème. Par rapport à la vidéo-verbalisation, on a trois gros problèmes. D'accord. Le premier, c'est que le système même de message, là, il est très défaillant. C'est-à-dire? Tu es assis à la maison, tu ne bouges pas, et puis tu reçois un message qui te dit que ta voiture a commis une infraction. À une heure où tu es à la maison, tu n'es pas dans ta voiture. Vous voulez dire qu'elle est défaillante? J'ai un collègue. Oui, c'est ce que je dis. Les messages qu'on reçoit ne sont pas toujours vrais. Donc, il faut déjà qu'on corrige cela. J'ai un collègue, attendez, laissez-moi finir. Vous m'avez posé une question. L'exemple et puis après. J'ai un collègue qui dit qu'on lui a envoyé un message. C'est quelqu'un qui a l'habitude de la vitesse. Mais le message dit qu'il n'a pas porté sa ceinture. Ce qui n'est pas vrai. Il s'en va, il demande à voir la vidéo. La photo, sur la vidéo, il a porté sa ceinture. Mais on lui dit non, il faut payer quand même. Il y a un problème. Il y a des messages qui ne sont pas vrais. Très ça, bien. C'est le premier point. Deuxième le second point, c'est que quand on se déplace, on ne se déplace pas au hasard. On a un objectif. Je vais à un rendez-vous, je voyage, ainsi de suite. Les gens m'arrêtent. On me tend ma facture, là. Séance tenante, là, on dit de payer. Madame, je n'ai pas laissez-moi finir. Je n'ai pas forcément, Attendez, les moyens de payer ma facture. Et on me dit que si je ne paye pas ma facture, je ne bouge plus. Mais on compromet. La question, la question dont vous parlez aujourd'hui, c'est écrit dans la loi sur, la voie routière en fait, en son article 246. Si vous roulez, que vous avez des amendes impayées, il y a une liste noire qui est mise en place au niveau de Kipix Afrique, de sorte à ce que si vous êtes à 150, 200, 300, moi je paye chaque fois mes factures. Même quand je les vois, je m'arrête, je demande, je suis à combien, on me le dit, après je paye, je n'ai pas à payer. Dans ce est-ce que vous avez un problème particulier avec la loi en Côte d'Ivoire? Parce que c'est la loi. Avoir un problème avec la loi. Laissez-la répondre. Mais pourquoi j'aurais un problème avec la loi? C'est toujours l'application de la loi que nous demandons. Je dis que les gens ont un problème de communication. Cette loi dont vous parlez, cet article que vous avez cité, il y a combien de personnes qui savent qu'il existe? Il y a combien de personnes? Et puis, maintenant, quand on arrête quelqu'un, il y a un objectif dans son déplacement. D'accord. Alors qu'on sait très bien que cette personne-là, elle va forcément aller faire sa visite technique. Et là, on peut la bloquer selon vous. Et c'est le moment, pour, selon vous, de la bloquer. Oui, mais on informe. Parce que même pour la visite technique, on s'était plaint. C'est à la fin du mois de décembre qu'on a décidé qu'il fallait forcément payer son amende, avant de faire la visite. Mais il n'y a pas eu de communication dessus. Là aussi, quand les gens sont arrivés là-bas, ils sont surpris. Très bien. Et voici un voilà, communiquer, c'est tout ce qu'on demande. Il était question qu'on ouvre un peu plus la communication parce que ce n'est pas tout le monde qui suit les médias publics. Très bien. Du coup, tout le monde n'a pas forcément l'information. C'est une réalité aussi. Mais bon, écoutez, cet espace reviendra ici même demain. Pulsé Eric Ballet, qui est une... Ah, c'est déjà fini. Oui, voyez-vous.